As the son of Guinean immigrants who was born in Saudi Arabia, raised in New York, and has traveled all around the world, I've always been fascinated with the concept of home. They say home is where the heart is, but what about where it used to be, where it wants to be? This led me on a journey to explore the goals, struggles, and accomplishments of African immigrants who have returned home. Season 1 takes place in one of my countries of origin, the Republic of Guinea. In 1958, Guinea was the first West African country to say no to French colonial rule, becoming totally independent from France. The country's first president, Sékou Touré, famously said, "We prefer freedom in poverty to wealth in slavery." This quote embodies the spirit of Guineans. Guinea is a mineral-rich country that has an abundance of diamonds, gold, precious metals, and contains 25% of the world's bauxite reserves. The opportunities are endless. Are you brave enough to come home? I came back to La Terrasse 1958 to chat with Wallace, a French volleyball champion who relocated from Paris to open a restaurant lounge in Conakry. Je suis volleyeur professionnel en tout cas. Donc j'ai décidé en fait de revenir, de commencer un petit peu étape par étape mon retour vers la Guinée. Et donc la 1958 Terrasse Lounge, c'est une des idées de départ en fait pour commencer mon retour quoi aux sources. Donc voilà. Alors tu étais né en Guinée? Mais tu as grandi en France ou bien... Non, je suis né à Paris. Tu es né à Paris? Je suis né à Paris, j'ai grandi à Paris, à l'étranger. Et j'ai beaucoup bougé en fait à cause du sport, parce que je suis un joueur en fait international, donc j'ai joué pour l'équipe de France pendant longtemps. Et j'ai arrêté l'équipe de France en 2016, donc c'est assez récemment. Et maintenant ça me laisse un peu plus de temps en fait pour préparer mon retour, donc je passe beaucoup plus de temps en Guinée et au fur et à mesure ça sera rallongé jusqu'à un retour définitif. Et comment tu as eu l'idée pour la terrasse en fait? J'avais déjà d'autres projets type en fait que je gère ici en fait, hein, que j'avais déjà à Conakry, qui sont pas très loin d'ici, dans le même genre. Et j'avais envie d'avoir un autre coin. J'étais dans les autres coins, j'étais un petit peu en partenariat et ça se posait pas tout le temps très bien, et j'avais envie de me lancer tout seul au départ, voilà. Et c'est comme ça que j'étais à la recherche d'un lieu, jusqu'à que je trouve donc en février 2017, d'accord. Et depuis là, on a bossé jusqu'à ce qu'on arrive, on en arrive à là, quoi. Ouais. Et avec toutes tes qualifications et ton parcours, ton talent sportif et autre chose, pourquoi Conakry et pourquoi maintenant? Bon, déjà, c'est chez moi, d'accord? C'est chez moi et j'avais toujours eu ça, cette idée dans un coin de la tête de me dire qu'après ma saison, après ma carrière professionnelle de volleyeur, eh ben, il me faudrait de toute façon une activité, parce que sportif de haut niveau, ben, ça dure un temps. Ouais. Et ensuite, il faut avoir une reconversion. Et je me suis dit que pourquoi pas le retour aux sources. Et je pense que j'aurais beaucoup plus d'opportunités de ici en Afrique, ici en Guinée, qu'ailleurs. Et donc, en plus, c'est chez moi. Quand tu travailles comme ça, ben je ne compte pas vraiment mes heures de travail, parce que j'ai l'impression, voilà, j'ai pas l'impression de me faire voler quand je travaille chez moi. Donc voilà quoi, c'est une super ambiance et tout. En plus ici, c'est un autre rythme de travail qu'on ne trouve pas ailleurs. T'as l'aspect travail, t'as l'aspect social et tout ça, c'est mélangé. Et non, c'est super quoi. Ouais, j'adore l'endroit. On a regardé la Coupe du Monde ici, final. C'était super. C'était super. C'était super. Une belle ambiance. Très, très belle ambiance. Ouais. Et quand le jour que tu as décidé de rentrer à Conakry et le jour que tu as informé ta famille et tes potes en France et même ta famille ici,
Ils t'ont dit quoi? Ils étaient contents, mais comme beaucoup de parents guinéens et africains, ils vont toujours te dire attention. Ils vont toujours te dire attention. Mais moi, mes parents, ils étaient quand même conscients. Ils savaient quand même que j'avais cette l'intention de revenir. Quand j'ai signé mon premier contrat professionnel, d'ailleurs, ma famille a pris une petite partie d'argent pour que je puisse investir ici, acheter des terrains pour l'agriculture ou bien d'autres choses comme ça. Donc, j'avais déjà un petit pied à l'étrier. Avant de commencer à faire vraiment du business. Et donc, mes parents n'étaient pas vraiment surpris de me voir revenir et m'installer comme ça. Voilà. Voilà. Ouais. C'est clair. Ouais, c'est pas facile. Il y a beaucoup de choses, en fait, qu'il faut prendre en compte. Quand tu es à l'étranger, tu calcules pas ce genre de choses, de facteurs. C'est vrai que quand tu travailles avec des gens ici, il y a souvent un décès, il y a souvent un baptême, il y a souvent un mariage où, qui vient et qui ralentit un petit peu le truc. Et en fait, c'est ici pour faire des affaires, je pense que c'est beaucoup plus d'investissement en temps qu'en argent. Je pense qu'il faut vraiment donner de soi-même et se dire, écoute, il faut se poser, il faut prendre son temps. Et puis ça va avancer comme ça. Précipiter les choses, en fait, c'est un peu parfois difficile. Après, il y a quelques ouvriers avec qui ça peut se passer correctement, mais en général, c'est ce petit truc-là où il se passe toujours un truc. En fait, j'ai toujours eu des petits problèmes. Mais on trouve toujours des solutions ici. Ouais. Je trouve des solutions. Je suis d'accord pour toujours. Les solutions parce que. Il y a toujours une manière de s'en sortir, il faut juste chercher, c'est clair. Et tenter. Ouais. Énorme. Ce qui est énorme, c'est que à n'importe quelle heure, quoi, quand tu as un problème, c'est vrai qu'il y en arrive des problèmes, mais à n'importe quelle heure, tu peux appeler quelqu'un ici et puis il peut régler ton problème, que ce soit 2h du matin, 4h du matin. C'est un truc que tu ne peux pas retrouver à l'étranger, par exemple. Non. Avec, après 20h. Après 18h même, les bureaux sont fermés, les guichets sont fermés, rappelez-moi le lendemain, et un jour ouvrable surtout. Mais voilà, ici on arrive toujours à quand même trouver des solutions. Et ça, ce qui fait, voilà, c'est l'aspect social aussi, il y a un peu, tout le monde comprend, bon, c'est pas grave, tu m'es arrivé à 4h du matin, je l'ai fait, bon, tu me renverras à l'ascenseur. C'est vrai, ici, à l'aide sociale, les gens sont accessibles. Oui, quand même. Comparé à d'autres pays, tu peux pas juste venir saluer quelqu'un sans appeler ou passer un coup de fil. C'est inaperçu. Mais ici, les gens viennent chaque jour. « Oh, ça va ?»« Oh, ça va ?»« Tu dois ouvrir la porte et manger avec eux ou boire du thé avec eux, quelque chose. » C'est comme ça, ici. Et quel conseil as-tu pour les Guinéens de la diaspora qui peut-être souhaitent rentrer chez eux ou à leur pays d'origine ? Pour s'intégrer ou se réintégrer et peut-être faire du business, mais qu'ils ne sont pas prêts d'abord parce qu'ils voient des choses dans les médias qui disent que ça ne va pas, il y a la grève, les choses ne vont pas et tout. Quel conseil as-tu pour les gens? On en parlait juste avant, c'est ça le truc. En fait, moi je leur dis, en fait, mettez des œillères, en fait, et foncez. Ce qu'il ne faut pas écouter, en fait, je pense, par mon humble expérience et tout, faut pas forcément écouter, même des fois, ce que la famille dit. Parce qu'ils sont toujours en alerte, parce qu'en fait, en réalité, ils ont peur pour nous, des fois. Ouais. Quand on vient, ils se disent ce qu'il va réussir à s'intégrer, il a l'habitude de là-bas, mais en fait, on a l'habitude, quoi. On est des jeunes débrouillards, on voyage beaucoup. Check out the next episode of Momo Dion Going Home.